Les détachements d'honneur est rangé pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de votre première visite officielle dans la ville de Bukavu, chef-lieu de la province de Sud-Kivu. Je vous invite à passer le détachement en revue. Le commandant de détachement, le colonel Mundouzi Kipulu Ari. Le président de la République démocratique du Congo, Monsieur Félix Tshisekedi Tshilombo. Mon président Tshilombo. Tshisekedi Tshilombo. Mon président Tshilombo. Félix Tshilombo. Number one, my number one. Najivunia rais wetu, najitapia. Watoto wamesoma bure, wazazi wamepata furaha, kwa malipo ya masomo, kwa bure, uishi milele. Excellence, ce peuple aujourd'hui est venu vous écouter. Bukamwenyanya. Avant toute chose, j'aimerais remercier le peuple de Bukavu. Je voudrais rendre hommage à ce peuple qui a tant souffert, mais dont je me souviens qu'il était la première étape de notre campagne électorale, la campagne du cash. Notre combat sera celui de vous apporter la paix, une paix définitive, une paix nécessaire, pour la stabilité de notre pays. Je suis conscient des souffrances qui sont les vôtres et je n'ai ménagé aucun effort depuis que je suis au pouvoir pour entretenir nos forces armées et tout faire pour que celles-ci soient au top niveau et puissent faire leur devoir qui consiste à imposer la paix dans tout l'ensemble du territoire national. Et cette paix, croyez-moi, je suis prêt à mourir pour qu'elle soit une réalité. Je veux la paix et la paix définitive dans notre pays. En plus de cela, nous avons mis l'accent toujours autour de l'épanouissement de l'homme congolais sur les soins de santé et l'éducation. Le directeur de cabinet vous l'a dit, la gratuité de l'enseignement est devenue une réalité. Depuis le 2 septembre dernier, l'enseignement primaire est devenu gratuit. Nous l'avons souhaité parce que nous connaissons les difficultés des familles à pouvoir payer les frais scolaires. Nous connaissons les difficultés des parents que l'on saignait chaque année pour qu'ils payent des primes aux enseignants, alors que c'était le travail de l'État de le faire. Et nous avons redonné ce rôle à l'État pour que les parents soient dégagés et soulagés. Donc, la gratuité de l'enseignement est aujourd'hui une réalité. Ensuite, nous irons au niveau du supérieur, où nous avons l'intention de redonner des bourses d'étudiants. Parce que, toujours dans cet épanouissement que nous voulons voir du Congolais,
il y a une place très importante pour la jeunesse. Gratuité à ma somo. Nakasema napenda maendeleo hapa kwetu Bukavu. Nakasema ngisi watoto watasoma bure, hakuna mtoto kulipa tena masomo. Unafurahi sana sana sana. Mungu amubariki sana. Oui oui, j'avais suivi le discours du président de la République et j'ai retenu comment il y aura la gratuité de l'école primaire ainsi que de l'école secondaire. Et j'ai retenu aussi une chose importante, qu'il est prêt à mourir pour le Congo. Vraiment, on est ravis parce que la gratuité, c'est seulement ça. Pour moi, c'est la gratuité que le chef de l'État vient de dire. Vraiment, on est d'accord avec lui. On va continuer avec lui comme ça. Vraiment, ça nous réjouit, nous, population de Bukavu. Il nous a promis que les études seront gratuites. Et nous sommes très contents de ça. Et nous avait promis aussi la sécurité. Nous nous remercions pour tout ce qu'il nous a promis. Mais nous sommes aussi les locataires des et sinistrés du Kansai. Et nous avons aussi besoin de son assistance. Mon président Chilombo. Waheshimiwa, karibu kwetu, kwetu Bukavu. Wa baba, wa mama, wa kaka, wa dada, tunawapenda, tunawajali. Tunasema karibu, karibu Bukavu. Ni muji mzuri, tunawakaribisha. Kuna hewa nzuri, na watu wazuri. Karibu kwetu. Tshisekedi Chilombo, raisi wetu ni number one. Mon président Chilombo, raisi wetu ni number one. Félix Chilombo, number one. Tunyambulio we kilo kilo kwa sababu number one. Songa mbele, raisi wetu wewe ni Bagira tuseme nani number one. Mon président Chilombo, raisi wetu ni number one. Tshisekedi Chilombo, raisi wetu ni number one. Mon président Chilombo, raisi wetu ni number one. Félix Chilombo, number one. Najivunia raisi wetu, najitapia raisi wetu. Watoto wamesoma bure, wazazi wamepata furaha. Kwa malipo ya masomo, kwa bure. Uishi milele, utawale milele. Tukupenda, Tshisekedi notre président. Nasepeli ngai mwana ya Congo. Nasepeli komona président ngai Tshisekedi yo. Na vile na biso ya mboka oyo ya Congo. Bukavu to sepeli mingi komona ye Yangoyo ngai na kobeta le maboko, maboko. Yangoyo ngai na koyembela ye Yangoyo tika na ebisa ye na motema nangayo Umela president nangai, umela papa Tshisekedi. Umela papa nangayo Mon president Chilombo, raisi wetu ni number one. Tshisekedi Chilombo, raisi wetu ni number one. Mon président Chilombo, raisi wetu ni number one. Félix Chilombo, number one. Waheshimiwa, karibu kwetu, kwetu Bukavu. Wa baba, wa mama, wa kaka, wa dada. Monsieur le maire de la ville de Bukavu, Monsieur l'administrateur du territoire de Tabaré, Monsieur le président du conseil d'administration de l'IIDEA,
Monsieur le directeur général de l'Institut international d'agriculture tropicale, mesdames et messieurs, distingués invités, je voudrais, avant de vous livrer mon propos de ce jour, exprimer mes salutations fraternelles à nos invités venus de loin et leur souhaiter la chaleureuse bienvenue sur la terre congolaise. Je saisis cette occasion pour adresser un très sincère et vibrant hommage au président Obasanjo, qui, depuis son dernier mandat passé à la tête du Nigeria, jusqu'à ce jour, n'a cessé d'être le porte-étendard de la promotion de l'agriculture en Afrique. Mes vifs remerciements s'adressent également à mon frère et ami, le docteur Akin Oumi Adesina, qui poursuit les traces de son prédécesseur, Donald Kaberuka, par son soutien à l'ITTA. Alors qu'en juin dernier, les experts de mon cabinet avaient arrêté la demande de l'intervention de votre institution à 50 km de route pour la ville de Bukavu, vous voilà devant cette population prise à témoin, annoncer le double de votre sollicitation. Mesdames et messieurs, distingués invités, cette initiative est un bel exemple d'intégration sous-régionale qui marque l'importance que nous allons accorder au développement des milieux ruraux au travers de l'agriculture. Ceci constitue une première étape pour le noble objectif qui est celui de permettre à nos peuples, à nos opérateurs économiques, de circuler librement et en toute quiétude avec leurs biens sur l'ensemble de la sous-région. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, la République démocratique du Congo dispose de potentialités agricoles importantes avec 120 millions d'hectares de terres fertiles, dont 80 directement accessibles et 40 autres irrigables, avec plus de 53% d'eau douce en Afrique et un climat favorable pouvant lui permettre de développer une agriculture stable, génératrice de croissance et de développement durable. Cependant, comme le président de la BAD, de la Banque africaine du développement, aime bien me le rappeler, on ne peut ni manger ni vendre le potentiel. Il faut donc le transformer en produit de consommation, et je suis d'accord avec lui. C'est pourquoi, à l'instar de tous les autres pays membres, la République démocratique du Congo attend de la Banque africaine de développement qu'elle continue à jouer pleinement son rôle en l'accompagnant dans nos programmes de transformation des produits du secteur agricole à travers le schéma d'industrialisation que je compte mettre en place. Ceci va marquer à coup sûr une rupture dans l'histoire de notre pays qui constitue un réservoir de matière brute sans aucune valeur ajoutée. Ces projets agricoles à court, moyen et long terme visent à assurer la sécurité alimentaire et à améliorer la contribution de l'agriculture dans le produit intérieur brut par une production nationale accrue, de qualité et accessible à moindre coût. J'aimerais sincèrement féliciter notre compatriote, le docteur Emmanuel Sanginga, initiateur, ou devrais-je dire géniteur de ce centre, qu'il avait commencé à construire avec ses ressources personnelles, en ayant comme objectif principal l'amélioration de la capacité de la jeunesse en agro-business. Après son acquisition par l'IITA en 2011, ce campus, dont il est depuis le directeur général, s'est développé et est devenu le seul centre international de recherche agronomique dans les pays des Grands Lacs et est doté ce jour d'un nouveau laboratoire de culture des tissus, le deuxième en Afrique, après celui d'Ibadan au Nigeria.
Mesdames et messieurs, distingués invités, il ne fait l'ombre d'aucun doute que la recherche est la composante essentielle du développement agricole. Et l'avènement de ce centre, qui sera porté aujourd'hui au fonds baptismaux, est la première étape de réhabilitation de tous nos centres de recherche agronomique et autres, notamment Yangambi, dont les résultats des recherches ont permis à d'autres États d'améliorer leur culture de cacao et de palmiers à huile. En effet, aujourd'hui, nous sommes fiers, en tant qu'Africains, de constater que ce sont les espèces améliorées de Yangambi qui sont à la base de l'expansion de la culture de cacao en Côte d'Ivoire et de celle des palmiers en Malaisie. Mesdames et messieurs, distingués invités, pour terminer, je vous assure de mon engagement à toujours faire plus pour le développement du secteur agricole. Je le répète ici encore, il est temps que le sol prenne sa revanche sur le sous-sol. Le défi est certes immense. Les enjeux sont nombreux, mais avec l'inauguration de cette première station, située à quelques kilomètres de l'Institut national de recherche agronomique de Mulungu, INERA, nous sommes sur la bonne voie. Je puis vous assurer qu'aucune province de la République démocratique du Congo ne restera en marge de cette marche vers l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire. Et au-delà de la République démocratique du Congo, je voudrais rassurer nos voisins du Rwanda et du Burundi que ce centre va constituer un maillon important de l'intégration sous-régionale sur le plan agronomique pour qu'avec les politiques agricoles communes, nous puissions arriver au niveau de la sous-région à fournir à nos populations une alimentation suffisante, décente, conforme aux standards du Fonds mondial pour l'alimentation. À la chaleureuse population du Sud Kivu, avec qui j'ai un lien très particulier, je dis... À la chaleureuse population du Sud Kivu, avec qui j'ai un lien très particulier, je dis merci pour l'accueil fraternel qui confirme la ferveur que j'avais déjà observé en décembre dernier lors de la campagne électorale dans cette ville du Sud Kivu et ailleurs dans cette province. Je ne ménagerai aucun effort pour réaliser ici comme ailleurs toutes les promesses formulées lors de la dite campagne électorale. Je reviendrai vous voir. Je vous remercie. Matt prend un beat. À son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Monsieur Félix Tshisekedi Tshilombo. Mon président Tshilombo. Kwa malipo ya masomo kwa bure, uishi milele.
Tokupenda. Tu sais que dit notre président. Oh 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 oh. Na sepeli ngai mwana ya Congo. Na sepeli komona président ngai Tshisekedi yo. Na ville na biso ya mboka oyo ya Congo. Bukavu to sepeli mingi komona ye. Yangoyo ngai nakobetale maboko, maboko. Yangoyo ngai nakoyembela ye. Yangoyo tikana ebisa ye na motema na ngayo. Umela president na ngai, umela papa Tshisekedi. Umela, 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 umela papa na ngayo. Mo president Tshilombo. Raisi wetu ni number one. Tshisekedi Tshilombo. Raisi wetu ni number one. Mon président Tshilombo. Raisi wetu ni number ma maman bandeko na koloba na lingala lokola na lobaki la fois passée tango na yaki awa ya liboso na lingina pesa bino nanu matondo mingi félicitations na merci mingi. Félicitations, Yali Bozo, na merci et Zali Ndenge Boyambi Biso na Esengo. Yami Bale et Zali Constant Oyo Nasali Sima Yamatea O na Pesa Kibino la fois passée, na ba promesse na Pesa Kibino. Na Senga Kibino, Kobanda ko collaborer na ba forces armées na biso, na ba force ya police, poto koka kolonga monguna noki noki. Na ye komona ke bosaleli yango, yango na toni bino botondi. Lelo ba forces armées na biso bazali soutenu par population ya Beni, omoni ke mosala babandi kosala ezali na efficacité. Na sepeli komona ke ba population ebandi kozonga na kati ya ville ya Beni. Bato bana ba mama babandi kozonga na ville ya Beni. Na yebi ke problème ya sécurité esili nanu te, le kaka ndenge na lakaki bino liboso ke toko changer ba toko sala relève ya ba militaire oyo bazalaki tozongisa bato ya sika. Na bandi ezali lisusu ya koumela te na mikolo mike oyo ezali koya, boyeba te arme na biso ekobenga na banguna nyonso oyo bakotisaki insécurité na mboko. Mon président Tshilombo. Raisi wetu ni number one. Félix Tshilombo. Number one, my number one. Najivunia raisi wetu, najitapia raisi wetu. Utawala wake, waleta furaha. Watoto wamesoma bure, wazazi wamepata furaha. Kwa malipo ya masomo, kwa bure. Uishi milele.